Allez, je vous raconte une histoire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis conseiller en investissement financier dans un cabinet qui s'appelle Axipus Patrimoine à Nîmes. Et donc, voilà, j'aide les gens à mieux placer leur argent, à optimiser leur épargne, à faire plein de choses avec l'argent de leur patrimoine personnel ou professionnel. Je travaille aussi pas mal avec les chefs d'entreprise. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, par rapport à tout ça, tous ces rendez-vous que je fais avec des clients, en toute fin de rendez-vous, quand même, je leur pose la question de savoir s'ils ont, ils n'auraient pas un ou plusieurs prêts immobiliers qui traîneraient par là. Et je leur demande s'ils ont renégocié leur assurance de prêt. Et ça, ça va être le sujet d'aujourd'hui, l'assurance de votre prêt. Parce que je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, je suis désolé, messieurs les banquiers, de vous casser un peu de sucre sur le dos, mais vous vous gavez. Les banquiers se gavent sur le dos, sur notre dos, sur le dos de mes clients. L'exemple récent qui date de pas plus tard qu'hier. Une cliente a un prêt en cours de 140 000 euros souscrit au mois de juin 2023. Au cabinet. Alors, c'est pas du tout le cœur de mon métier, hein, mais comme je vous le disais, ça intervient en toute fin de rendez-vous, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et au cabinet AxiPlus, je salue Alexandra parce que c'est elle qui fait tout le job, qui fait les simulations et qui les sort. Et moi, je fais le travail de simulation avec mes clients, travail d'études, de comparaison, pour leur dire, bah voilà, ça vous fera économiser tant d'euros par mois. Et bien là, les chiffres sont très simples. Pour 140 000 euros de prêt sur 240 mois, ma cliente payait 68 euros d'assurance par mois. Elle va en payer donc 68 euros d'assurance par mois pour un coût total d'assurance qui dépassait les 8 000 euros. La nouvelle simulation a garantie égale, hein, non, garantie égale, puisque c'est obligatoire, c'est imposé par la loi Lemoine, est de 2 700 euros, 2 717 euros très exactement. Ça représente 66% d'économie. Tous les mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 68 euros prélevés sur votre compte en complément de la mensualité du prêt IMO, donc souvent c'est intégré, eh bien elle va avoir 11 euros en année 1, 2, et vous l'avez sous les yeux, hein, donc, puis ça va augmenter jusqu'en année 6 ou 7 pour arriver à 18 euros au lieu de 68, je vous le rappelle, hein, et puis ça va redescendre pour arriver à 0 sur la 20e année. Tout ça, donc c'est la loi Lehman qui l'autorise depuis septembre 2020. Et ça ne prend que. Alors, ça, en temps, ça ne vous coûte rien du tout, d'accord? Il y a des frais de dossier qui sont prélevés. Alors, ça dépend du montant de l'économie. Ça va de 100 à 500 euros. Là, c'est un prêt à 140 000 euros. Mais imaginez, sur des prêts de 300, 400, 500 000 euros, ça peut représenter des sommes assez folles, d'accord? Donc, les frais de dossier sont, comme je vous le dis, complètement infimes par rapport à l'économie réalisée. Là, je rappelle l'économie, on passe de plus de 8 000 euros à 2 700 euros, hein, donc 66% d'économie, et on passe de 68 euros par mois à 11 euros au début, 11 euros, 18 euros au maximum. D'accord? Donc, c'est très simple, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de me contacter, de m'envoyer votre offre de prêt, votre tableau d'amortissement définitif. Alexandra vous sort l'étude, c'est gratuit. Vous consultez les chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a une économie colossale à réaliser, et seulement à partir de ce moment-là, on monte le dossier et on lance. Ça peut prendre entre 3 et 6 mois en fonction des banques. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Comme vous le voyez, il fait plutôt pas mauvais à la Grande Motte. À bientôt pour les prochains sujets. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah likez-la, j'aurais dû vous le dire en introduction, mais aidez-moi à diffuser cette chaîne qui sert justement à aller récupérer votre argent, à le mettre dans votre patrimoine, et à le mettre là où il devrait être plutôt que chez les autres.